Oh là 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 là, c'était quoi cet atterrissage? Salut à tous les amis, on se retrouve sur Asphalt 8. Asphalt 8 parce qu'il y a une nouvelle bagnole à gagner. Encore une Zenvo ST1. Une enduro, course enduro à faire. Non, c'est pas un R&D, non, c'est pas un championnat. Vous savez comment ça fonctionne, il faut gagner des points, un maximum de points pour avoir la bagnole. Tout à la fin, bien évidemment, on va tout de suite se lancer dans la première course avec toujours la possibilité entre chaque course, de chaque étape, de pouvoir doubler les points et donc d'espérer pouvoir gagner plus vite la voiture. Allez, c'est parti, bon, une course avec une Lamborghini. À mon avis, ça devrait le faire, on devrait pas avoir trop de difficultés. En plus, c'est la première des courses. Cette voiture est déjà pas mal améliorée. D'ailleurs, elle est au max de toute façon. En plus, on a du nitro, un kit de tuning, on est au maximum. Je pense que ça va le faire. À mon avis, ça va le faire. Il fallait faire des vrilles de toute façon. Des vrilles, on va en faire un maximum. Demandez de faire des vrilles, moi je fais des vrilles, pas un souci. Excellent. Oh là 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 là, c'était quoi cet atterrissage? Oh merde, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Bon, dites-moi bien évidemment dans les commentaires si vous allez faire cet enduro, ce que vous pensez de l'enduro. Tiens, on peut peut-être comparer le R&D, l'enduro, les championnats. Il y a pas mal de choses différentes à chaque fois pour gagner des voitures. C'est pas toujours le même principe. Il y a des choses qu'on apprécie peut-être plus que d'autres. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez faire comme épreuve. Et nous, on va tout de suite regarder toutes les bagnoles qu'il va falloir avoir, et si possible au max, et si possible en pro, pour pouvoir faire cet enduro. Donc Ervort, la Geely, celle-là, elle est au max. Jaguar, que je n'ai même pas. Volkswagen Golf, je l'ai. La Bentley, je l'ai pas. La F50, je l'ai. La Jaguar, c'est bon, mais elle n'est pas au max. La Lamborghini. Voilà toutes les voitures qu'il vous faudra, et si possible au max, pour pouvoir gagner facilement la voiture. Les courses, comme vous le savez, il y a des fois, je dis ça pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de l'enduro, ou pour ceux qui démarraient dans Asphalt 8, il faut parfois gagner des courses, il faut parfois faire des vrilles. Là, dans ce cas précis, il faut juste terminer la course, ce qui a priori devrait pas être très compliqué, mais ça peut se compliquer très très vite quand, vous l'avez vu, quand on a des bagnoles, soit qu'on n'a pas et donc qui sont pas du tout améliorées, soit que j'ai simplement mais que j'ai pas mis au max. Donc si on veut vraiment accumuler des points rapidement et donc avancer très très vite dans les épreuves, bah, il va falloir farmer encore à côté de ça pour pouvoir améliorer les bagnoles et les exploiter au maximum de leur capacité. C'est pas toujours évident. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va simplement faire... Là j'ai fait les deux petites premières courses tout à fait tranquilles. Après on va se concentrer simplement sur les courses avec la Zenvo. On va regarder un petit peu ce que ça coûte au niveau des améliorations. Parce que bien évidemment, celle-là aussi, il va falloir l'améliorer pour pouvoir terminer rapidement cet enduro. Ah, excellent! Le moteur qui vrombit dans le tunnel. Allez, on va terminer cette course et on va attaquer la course avec la Zenvo. La voici, la Zenvo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve plutôt jolie. Elle est plutôt sympathique. Elle ressemble un petit peu à une Licane. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, de loin, une petite Licane assez sympathique. Voilà, donc ça, c'est la voiture qui est à gagner si vous arrivez au bout de l'enduro. Et j'espère que je vais y arriver, moi, quand même, malgré tout. Et puis, on va voir un petit peu donc les améliorations qui sont à porter et combien ça va nous coûter. Donc là, a priori, c'est pas très très cher pour le moment. Ouais, mais... Ok, donc en gros c'est multiplié par 10 à l'étape suivante quoi. J'espère que ce sera pas le cas à chaque fois, non. Donc moi, malheureusement, mon compte en banque, il descend très très vite. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Allez, encore un petit coup de vitesse. Et puis ça va s'arrêter là. Donc va falloir farmer encore pour pouvoir améliorer la voiture. Là il nous faudra des V8, un max de V8, pour améliorer cette voiture qui est en classe A. Allez, on va tout de suite faire cette course contre l'IA. Bien évidemment, hein, comme dit, là on est au tout début. C'est la troisième épreuve, c'est la première épreuve avec la Zenvo. Donc on est vraiment au tout début. Ça va être relativement simple, mais ça vous permettra quand même de me dire ce que vous pensez de cette voiture. Esthétiquement, elle est pas mal. Après, au niveau des moteurs, ouais, de l'amélioration qu'il va falloir apporter, ça va être chaud. Il faudra un paquet de moteurs de nouveau V8. On en avait déjà besoin
pour l'Apollo N. Je vous laisse écouter un peu la douce musique du moteur. Alors vous le savez, hein, pour ma part, quand on n'est pas en train de se battre contre un chrono, je vais pas forcément aller à fond. Je m'amuse avant tout. Quelques petites vrilles, quelques drifts et autres. On va terminer donc cette première épreuve avec cette Zenvo. On termine premier très facilement. L'autre est quand même très très loin derrière. Voilà, quelques points. Et quelques crédits, pas grand chose bien évidemment à chaque fois. Et là on va doubler, on prend des risques, on va doubler les points pour avancer plus vite. On se retrouve de nouveau contre l'IA. Ça vous permettra de voir un petit peu justement comment se comporte la voiture et comment se comporte l'IA. Là j'avais pas de nitro au démarrage. L'IA passe devant. Elle est améliorée tout juste, ce que vous avez pu voir. Et là, simplement en récupérant la nitro sur le circuit, on devrait arriver. C'est chaud, c'est ça qui est intéressant comme course, justement. Allez, on va charger une nitro au maximum. En faisant des vrilles, ça nous permet aussi de voir la bagnole sous différents angles. Ah, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, hein. Pour pouvoir la voir. C'est quand même très très chaud. C'est quand même très très chaud. Là, on prend un tout petit peu de distance. Ouais, c'est bon. On va être bon là, on va être tranquille. C'est bon, largement. Largement, largement. On y est. Voilà pour cette deuxième petite course. On va en faire encore une. Dites-moi bien évidemment dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de cette bagnole. Alors quand on passe sur les trottoirs, elle a quand même tendance à glisser. Elle est très très basse. Bon là c'est sûr qu'avec un petit peu de nitro ça va tout seul. J'ai simplement activé le double nitro. Le nitro démarrage équipe de Tunic, bah, pour faciliter tout simplement les courses entre les IA, parce que j'ai dû utiliser des voitures que je n'avais pas du tout au max. N'hésitez pas bien évidemment à utiliser la nitro au maximum pour faciliter les choses. C'est quand même plus simple pour gagner des courses et ça coûte pas si cher que ça. Encore une fois, gagné, c'est bon, tranquille. Quelques points. Bien évidemment, plus on avance dans l'enduro, pour ceux qui ne savent pas, plus les points sont importants. Et c'est ça qui est justement intéressant. Voilà, on a la possibilité ou de doubler ou d'engranger les points. Pour ma part, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de voitures qui sont au max, je vais jouer la sécurité. Et je vais engranger les petits points. Ça nous permet de regarder un petit peu ce qu'on gagne. Quelques crédits, des plans, une petite boîte, on va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Un moteur, ok, on a un petit moteur. Allez, on va se quitter sur la dernière course. J'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu, qu'elle vous aura été utile pour voir un petit peu comment se comporte la voiture, le prix qu'elle va coûter au niveau des améliorations et également ce qu'il va falloir y mettre comme moteur. Et ce qu'il va donc falloir avoir comme carte pour pouvoir la mettre en pro. Dites-moi bien évidemment où vous en êtes, si vous avez déjà démarré. Et on se retrouvera très très prochainement pour une nouvelle vidéo pour la Zenvo ou peut-être une autre voiture. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Faites un bon enduro. Allez, à ciao.